C'est incroyable d'avoir 150 matchs dans le club qui me donne l'opportunité de jouer, l'opportunité d'être dans les compétitions européennes. Et ça me fait vraiment. Ça me fait beaucoup. Je suis trop content, quoi. Dres sa brojem 150 uručen Gjeloru Kangi, broj koji simbolizuje broj odigranih utakmica Gjelora Kange u dresu Crvene zvezde. Nadamo se da će biti barem još ovoliko. Zaslužila je to zvezdina neumorna osmica. Čestitke i od šefa stručnog štaba Dejana Stankovića. Non, je pensais pas ça. Je pensais qu'à faire des bons matchs, d'être prêt sur le terrain. Après, c'était pas prévu dans ma tête de faire ça 50 matchs ici. Mais aujourd'hui, le destin a choisi que j'étais parti sur revenir et de continuer à faire des matchs. Et je veux voir si on peut aller dans les descentes, tout ça. Non, de faire 150 matchs dans un club comme ça, c'est historique. Et pour moi, ça dépasse même de marquer un but et d'avoir 150 matchs joués, pas rester au banc, mais tu joues et tous les matchs. Pour moi, c'est très important, quoi. Non, ça ne m'a pas fait peur. Avant de venir, on a eu les discussions avec des dirigeants. Et ça ne m'a pas fait peur, mais ça m'a donné encore la confiance. Et ce que j'avais fait avant, et je pouvais faire encore mieux encore, et ce que j'avais fait quand j'étais là, et ça m'a donné encore la confiance de faire encore mieux encore. Non, je ne savais pas. J'ai vu ça le veille du match et quelqu'un qui m'a envoyé un Instagram. Moi-même, je ne savais pas que c'était sa 50e match et tout cela. Je ne savais pas. Non, j'essaie de me faire plaisir sur le terrain, de jouer, d'être content à chaque fois que je suis sur le terrain, à chaque fois que je suis aux entraînements. Moi, les X, ça ne m'intéresse pas trop. Le plus important, j'essaie de donner ce qu'on peut donner aux supporters, de gagner des matchs, de gagner des titres. Après, les restes, je ne regarde pas ça trop. Non, non, non. Les gens de ma famille. Ils sont un peu qu'ils regardent le foot, mais non, on ne regarde pas tout cela. Nous, le plus important, c'est d'être bien sur le terrain, d'être très en forme, de faire des bonnes choses sur le terrain. Et ça, là, ça ne m'intéresse pas trop. C'est mon père. Je pense à lui tous les jours. Avant de retourner sur la terre, il était chez moi à Belgrade. Il a passé des bons moments. Après, Dieu a fait son choix de les récupérer. C'est mon père. Je pense à lui tous les jours. Il est là. Il est physiquement, il est spirituellement. Il est avec moi tous les jours. En dehors du terrain, tout ça là, tous les jours, il est avec moi. J'ai eu le message de Ben, il m'a envoyé un message, il m'a posté et ça m'a touché par rapport à toutes les personnes qui sont ici. Et Ben, il a fait un geste et ça m'a touché. Je peux dire Casnada.
c'est Casnada. Ranger. Parce qu'on marque 3 buts. L'arbitre il a refusé les 3 buts. Et on avait des capacités de faire mieux que eux. C'est le football. Après d'avoir gagné 2-1 à la maison, mais on était éliminés. C'est ça qui me touche, qui m'a beaucoup touché. Je ne calcule pas ça parce qu'on travaille tous les jours. On travaille tous les jours, on joue chaque week-end et je ne sais plus. Je n'ai pas ça en tête même. Je lui dis merci beaucoup au fond de mon cœur et au nom de mes enfants et à ma femme, à ma famille, et je lui dis merci beaucoup. Il continue à me soutenir, d'être derrière moi. Et je vais donner encore les efforts de faire encore mieux encore. Et je suis encore là. Et je pense que je vais continuer encore de travailler, de continuer encore à être performant, de rester encore de plus longtemps encore ici et de faire encore de bonnes choses et de gagner encore beaucoup de titres. Et merci à toutes les personnes qui me soutiennent. Il y a les jeunes aussi qui rêvent de jouer au foot. On est les humains, à part le foot, on est les gens normaux. On est là pour avoir une belle connexion avec des supporters. Parce que c'est grâce à eux aussi qu'on essaie de faire aussi des performances. C'est eux qui nous motivent, c'est eux qui sont là. Parce que l'équipe, c'est pour eux, c'est pas pour nous. Nous, on va partir, mais ils vont rester ici pour toujours. Même s'ils ne sont pas à Belgrade, ils sont loin, ils vont rester derrière Zvezda. On a besoin d'eux, comme eux aussi, ils ont besoin de nous. Et moi, je suis content, je suis fier d'avoir les supporters tous les jours du match. Et même ceux qui font des déplacements quand on joue des compétitions européennes, je suis fier d'avoir des supporters comme ça. Non, je me considère comme quelqu'un de normal. J'essaie seulement de faire mon travail mien. Les gens m'arrêtent de temps en temps de faire des photos, mais je me considère comme quelqu'un de normal et pas star. Je suis quelqu'un de normal. Ouais, parce qu'on a besoin, de faire mien, on apprend tous les jours. Tous les jours aux entraînements, on apprend, on a besoin d'être performant. Et je sais que les gens, ils attendent beaucoup de moi. Je n'ai jamais joué encore une compétition comme la Champions League, j'ai joué l'Europa League. Pour moi, le meilleur cadeau, si j'arrive à jouer la Champions League, pour moi, c'est magnifique. On va essayer de tout donner avec toutes les personnes qui sont là, tous les joueurs. On va essayer de travailler, d'être performant les jours J pour être en face des groupes de Champions League. Même 250 à Restart, ça va me faire du bien. Kanga, Niego, Udara, Cialno! Gol, 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 gol! Kakav gol! Kakav gol, Kange! 2-0! 2-0! Spektakl na stadionu Rajko Mitić i Evrogol Kange! Za istoriju, za špice! Majstorija! Neverovatan pogodak! Pa ovo je sjajno! Zvezda ima 2-0 u najboljem mogućem trenutku! 46. minut! Gevorg Kangar!